Manon, les premières années de notre amitié ont été marquées par des mercredis après-midi et des week-ends passés dans notre lotissement et dans la campagne de l'Aventille. On s'en souviendra de ces shootings photos en ville, des explorations de jardins abandonnés ou encore du karaoké dans la chambre de tes parents. Bref, des délires d'ado. Plus tard, mes études à Bruxelles nous obligeront à nous éloigner pendant quelques temps, mais on se retrouvera toujours l'été pour passer des moments inoubliables. Romy? Ah, ma filleule. Après m'avoir fait traverser le pays il y a 3 semaines pour ton premier anniversaire, voilà que ce sont tes parents qui remettent ça aujourd'hui. Mais bon, le déplacement en vaut la peine. Pour ce grand jour, j'ai la chance et l'honneur d'être leur témoin. Je pense savoir pourquoi. Romy, laisse-moi te le raconter. Ton papa, je l'ai rencontré il y a 25 ans, lors de ma rentrée scolaire en maternelle. Depuis, on ne s'est plus quitté. Nous avons passé nos journées ensemble, nos week-ends ensemble, et parce que ça ne suffisait pas, après l'école, on allait aussi au sport ensemble. Quel sport ? On les a tous faits, sans savoir lequel nous correspondait. Peut-être le saut à la perche, mais je suis pas sûr. À ma chère sœur, tout débuta il y a 26 ans par une rencontre que l'on pourrait qualifier de marquante, considérant les hurlements que je poussais dans tes petits bras fiers. C'est moi, lui. Enfant, tu avais déjà cette facilité de contact, tu te présentais aux inconnus avec un « Bonjour, je m'appelle Manon, et j'ai été conçue à Collio ». Noter que c'est assez cocasse parce que quand j'ai rencontré Manon, elle venait de se faire larguer par un mec. Elle pleurait beaucoup, mais ce mec, il était petit, il était moche, il était pas intéressant et elle pleurait vraiment beaucoup. J'ai passé la nuit à la consoler et aujourd'hui, tu te maries avec Pierre. Pierre qui est grand, qui est beau, qui est intelligent, qui réussit dans la vie, enfin tout le contraire. Puis est venu le temps de l'adolescence, où l'on a usé de tout, mais abusé de rien. Ou l'inverse peut-être. Ensuite, j'ai essayé de m'éloigner, mais rien n'y fait. Même à 900 km de lui, depuis maintenant 10 ans, il est toujours à côté. Et ta maman? Je peux aussi te raconter. Enfin, juste avant je t'ai dit qu'on pouvait user de tout, mais n'abuser de rien, ou l'inverse, ce soir-là, c'était sans doute l'inverse. Ils se sont rencontrés lors de ces douces soirées lilloises et moi, je fus témoin de leur rencontre. Enfin, j'y étais. Le breuvage lillois eut raison de ma mémoire. Par contre, ce dont je me souviens, ce sont les différents débriefs que ton papa me faisait après chaque rencard. Pas de doute, ils étaient faits l'un pour l'autre. Vous avez déjà commencé à construire une super vie. Vous avez une belle maison en cour, vous avez une super petite fille. C'est magnifique, vous allez avoir encore une belle longue vie devant vous. Puis un jour, tu as rencontré le grand amour, Pierre. Il t'a écrasé le pied et ce fut coup de foudre. Tu avais des papillons dans le ventre, tu me parlais de lui tout le temps. J'ai compris que tu avais trouvé l'homme de ta vie. Pierre, je m'adresse à toi maintenant pour te dire tout notre amour. Tu es courageux, bienveillant, attentionné, un mari aimant et prévenant, ainsi qu'un merveilleux papa. Sans oublier tes qualités hors pair de cuisinier. Question sur lui, peut-être. Maintenant, Romy, j'aimerais que tu dises à tes parents qu'ils continuent de venir nous voir dans le sud-ouest, qu'on continue de passer des week-ends dans les quatre coins de la France. Dis-leur aussi qu'ils sont des parents géniaux, qu'ils profitent de cette journée et qu'on les aime énormément. Vive les mariés !